Salut! Bon, la roulotte, ça prend forme, j'ai commencé la fabrication, mais voilà, le début d'année est un peu à fond, à fond, à fond, je vais pas m'en plaindre, hein, c'est très très bien. Je viens de me faire livrer pas mal de valchromates pour faire un meuble pour l'école du village, un meuble en valchromate, il y aura trois couleurs différentes, il faut que je m'occupe déjà de rentrer tout ça. Donc elles vont dormir là pendant un temps, au moins c'est à l'abri. Tout va passer à la CN ensuite, c'est un meuble entièrement construit à la CN, vous verrez ça bientôt. Je vous mets une petite illustration de ce que ça va être. Les couleurs sont fausses, mais voilà, ça va être la forme est là. Et voilà ce que c'est que de faire une roulotte. Et encore, il n'y a que le châssis là. Les traverses, les lames des poutres en I, et puis les deux longerons qui sont là. Là, on a une idée de la longueur de la roulotte. Ça, c'est les deux bases qui vont articuler tout le châssis. Toutes les traverses vont être distribuées là-dessus. Et c'est solide, hein, c'est du contre-collé. Donc voilà, 7 mètres de roulotte, avec du beau Douglas de pays. Alors, il reste beaucoup de travail sur cette roulotte. C'est pour ça que je ne vous emmène pas tout de suite sur cette fab. Je suis désolé, on est pris par le temps. En tout cas, dans la semaine, entre Noël et jour de l'an, un peu comme tout le monde, j'étais en vacances, donc je ne vous ai pas préparé de contenu. Mais voilà, ça arrivera très vite et je suis super content de la façon dont ça commence à se présenter. D'ici 10 jours, 15 jours, vous aurez une vidéo là-dessus sur la première étape, la construction du châssis. Allez, ils sont secs, je vais les mettre de côté pour l'instant. On a fait le calcul du poids du châssis avec le document SketchUp. Juste la base, on va être autour de 300-350 kg. Donc, ça pèse pas lourd les éléments les uns les autres, mais il y en a beaucoup. Alors prochainement, exactement le samedi 14 janvier 2023, je vous donne rendez-vous à Autrèche, à l'Hermitage Lab, pour la journée des possibles de l'Hermitage. Ils font ça de temps en temps, et moi je vais y être, d'abord parce que c'est des copains, et puis ensuite ils vont m'aider pour la création de mon atelier, enfin le déménagement de mon atelier, trouver la structure administrative, la gestion et tout ça, enfin préparer cette histoire de tiers-lieu que j'imagine. En attendant, il y a cette roulotte à finir, mais j'ai aussi ce projet de bureau que j'ai commencé au mois de décembre. Des bureaux avec un champ courbe. Ça, c'est l'arrondi que j'ai découpé à la CN. J'avais raté des coupes parce que j'avais raté des coupes. Donc, il a fallu que j'attende que j'ai de nouveau de la matière pour récupérer le temps perdu. Mais il faut vraiment que je m'y mette. En fait, c'est des bureaux assez spéciaux, un peu inspirés de mon bureau en bas où il y a un champ droit. Le même principe qu'ici, mais en courbe. Donc, il faut cintrer du champ. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais voilà, ça viendra aussi assez rapidement. Et là, j'ai reçu mon cadeau de Noël de la part de BC. 4 super grands serre-joints, plus des serre-joints de chez Serre, qui est en fait le distributeur exclusif de BC en France. Serre est son fabricant de serre-joints. Ils m'ont envoyé 4 aussi comme ça. En fait, c'est les mêmes que toute cette série-là que j'avais déjà. Ceux que j'utilise depuis toujours. Hyper fiable, hyper content de ces serre-joints. Et ceux-là, ils ont l'air encore plus costauds. Et puis, il y a 4 trucs complètement magiques. Je les avais vus en démonstration à Eurobois. C'est des serre-joints rapides où on a une gâchette rapide. Et puis ensuite, on serre ici pour finir le serrage. Vous allez me voir les utiliser tellement c'est génial. Je vais déjà débarrasser un peu le terrain.
Donc, merci beaucoup, Serre et Dolex. Dolex, c'est la partie étau, qui est plus destinée aux serruriers, enfin, aux gens qui travaillent le métal. Voilà, ils ont toute une gamme de produits. Je vous invite à aller consulter leur Instagram juste en dessous, je mets un lien. Alors, bonne année à vous tous et merci encore de suivre mes aventures avec mes petits bouts de bois, mes petites fabrications et tout ça. Vraiment, je suis très très content de mener cette aventure sur YouTube. Sans vous, ça n'existerait pas. Alors merci, merci beaucoup, merci infiniment de revenir chaque semaine pour suivre mes petites aventures. Encore une fois, une bonne année 2023, plein de belles choses pour vous, aussi belles que pour moi. Ça va être super chouette, on va faire 1 million de choses cette année. Et donc, je vous emmène sur pas mal d'aventures là, avec la roulotte, avec l'atelier, avec plein de super choses qui vont arriver. On va aussi construire un établi exactement comme le mien. Enfin non, exactement comme le mien, mais 30% plus petit. Justement pour Benjamin qui vient de s'installer dans une maison et qui a besoin de mettre en place un petit atelier. Donc on va reprendre le même plan et on va refabriquer cet établi. Et ça va venir quand j'aurai le temps déjà, mais on va dire d'ici le déménagement en tout cas. Merci encore de votre attention, on va se retrouver très très vite, il y a plein de choses à venir. Et encore une fois, bonne année.